Это Борисполь взяла курс на Париж. И примерно через 3,5 часа приземлилась на аэродроме в Ле-Бурже. В аэропорту Бурже открылся 38-й международный салон авиации и космонавтики. Первый день работы салона был омрачен катастрофой. При завершении демонстрационного полета разбился советский истребитель МиГ-29. Пилоту удалось катапультироваться, он остался жив, жертв среди зрителей нет. Une présentation d'ailleurs éblouissante. Le pilote est remarquable et a pris des risques considérables. Et hélas, il en a semble-t-il trop pris. Vous allez le voir dans un instant. Il va faire une approche à basse vitesse, extrêmement cabrée, pratiquement 30 degrés. Va essayer de se retourner et l'avion en perte de vitesse va s'écraser. Le pilote va essayer de s'éjecter, mais n'y réussira à s'éjecter, mais pas ouvrir le parachute. Regardez bien. Très spectaculaire, c'était donc au cours d'une présentation en vol. Un peu... Démonstrations de vol ont même repris en fin d'après-midi. À croire que côté organisateur comme pilote, on refuse de voir la journée inaugurale de ce 38e salon de l'aéronautique et de l'espace réduite à l'accident. Pourtant, le Bourget n'échappe pas à la règle de toutes les grandes démonstrations aériennes, le danger. On se souvient encore du 3 juin 1973, lorsqu'un Tupolev 44 explose en plein vol, faisant 13 morts. Ironie du sort, le MiG-29 est également un avion soviétique, l'une des vedettes d'ailleurs du salon, largement contrôlé et vérifié pendant les répétitions. Alors pourquoi ce crash? Une enquête a été bien évidente. Il a été évacué extrêmement rapidement par les services de sécurité, transporté par hélicoptère à l'hôpital Bégin. Ses jours ne sont pas en danger, vous le voyez, il parle même. Mais dans quel état est-il? Revenir de si loin, quand même, c'est absolument fabuleux. Thank you.
Bonjour. Вот это же на самом деле кто-то. 769, все общее с посадкой. Посадку разрешил. Понял, освобождение на мар обращение. Ну что, ты закончил работу? Благодарю.